temps de vous informer dans le cadre de votre émission Duel, ici sur la chaîne du peuple, les reflets de tout un peuple, CSS Télévision. Vous avez choisi le bon côté de l'histoire. Le bon côté de l'histoire, c'est nous. Cette émission, c'est chaque jour du vendredi à partir de 11h, rediffusion à 22h, Duel, où nous invitons les têtes bien faites de la République pour parler pays, parler nation. On souhaite souvent faire ici les débats républicains. Alors, sur ce plateau, je suis avec le doyen Patty Katanga. Il est Maï, mais il est très proche maintenant de Moïse Katumbi, le président de l'ensemble. Il est dans l'opposition. Monsieur Patty Katanga, soyez le bienvenu. Merci beaucoup et merci aux téléspectateurs. Et merci aussi à mon co-débatteur de ce matin. Voilà, de l'autre côté, nous avons la présence de celui que vous aimez beaucoup. Lui, il s'appelle député de la rue, selon ce que vous voulez que nous puissions l'appeler comme ça. Il s'appelle aussi Manix Yenda. Il était porte-parole du LGD, parti cher ancien Premier ministre Matata Ponyo. Aujourd'hui, il est du bon côté de l'histoire, au milieu, il défend la population. Monsieur Manix Yenda, soyez le bienvenu. Merci beaucoup Delphin, merci à mon co-débatteur et merci à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ces nets moments. Voilà, à côté de vous, à la dernière minute, il y aura la présence de monsieur Médard Kankolongo, le nouveau mandateur nommé par le régime Tshisekedi fera son entrée dans quelques minutes. Avec vous, on va tenter d'analyser les grandes lignes d'actualité. Vous êtes sans ignorer que la situation économique pose problème. Vital Kamerhe, il était nommé comme premier ministre, ministre de l'économie, VEPEN. Et il avait promis qu'il va stabiliser la situation. Aujourd'hui, les dollars, c'est presque à 26, donc 25, quelque chose. On se pose la question, est-ce Vital Kamerhe n'a pas trouvé la portion magique ou bien comment, ou la situation est mondiale, on va en parler, le régime Tshisekedi a échoué, le peuple d'abord, où en sommes-nous, on va placer un mot par rapport à cela. Le processus électoral aussi, on va en parler. Kadima avait reçu certains partis de l'opposition, ils ont eu à parler. Est-ce qu'il était convaincant ou pas? Il y aura les élections apaisées. On en parle sur ces plateaux. Il y a aussi, lors d'une émission, le propos du chef de l'État qui divise. Il y a ceux qui pensent que le chef de l'État était franc. Il y a également les autres qui pensent qu'il était encore une fois de plus plaintif. Est-ce le chef de l'État était vrai devant sa population? On va en parler. Mais avant tout, j'aimerais que nous puissions commencer par une question d'abord de curiosité. Monsieur Manix Yenda, dont les réseaux sociaux, ça surquille, je ne sais pas. Madame Tina Salama, elle est porte-parole du chef de l'État, moi que je me trompe. L'ordonnance nomma la dame. Dans cette ordonnance, est-ce qu'il y a une porte qui est la dame comme porte-parole? Elle peut faire l'émission comme journaliste avec le chef de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne cloche pas? Ben, ces débats, je les ai suivis et je pense que j'ai déjà donné... Je vais pas avoir la photo, monsieur Tati. J'ai déjà donné mon point de vue là-dessus. Madame Tina Salama est le chef de l'État. J'ai donné mon point de vue là-dessus. Vous savez, aujourd'hui, on assiste à une sorte de tribunal facile qui condamne avec facilité et avec légèreté. Et ces tribunaux s'appellent les réseaux sociaux, où chacun se transforme à un expert de toutes les questions d'ordre étatique. Alors, puisque vous voulez qu'on en parle, parlons-en. Il est vrai. D'abord, il faudrait placer un accent par rapport à la structuration de ce service qu'on appelle la présidence de la République, qui est un service d'attache pour accompagner effectivement l'institution président de la République. Et la présidence de la République a pratiquement trois services qui travaillent pour des raisons de communication de qualité à rendre au bénéfice de l'institution président de la République. Et ces services sont, il y a d'abord un, le service de communication qui est un département d'élaboration, des conceptions, de stratégies communicationnelles pour assurer une bonne image communicationnelle en faveur du président de la République.
Et deuxièmement, il y a un autre département, un autre service qu'on appelle la presse présidentielle, qui est un département qui met en exergue un outil communicationnel, un outil médiatique, parce que vous savez, pour que le message du président de la République passe, pour que la communication du président de la République passe, il faudrait choisir au préalable les matériels indiqués, les médias indiqués pour faire passer les messages du président de la République. Et enfin, il y a le porte-parole du président de la République, c'est-à-dire une personne qui porte la parole du président de la République quand le président soit est indisposé ou quand le président est absent. Alors, de tous ces trois départements qui composent la communication, le service de communication du président de la République, tous ces démembrements sont dirigés par des journalistes de profession. Au niveau de services de communication, il y a M. Eric Nguindou, qui est journaliste de profession. Au niveau de la presse présidentielle, il y a Paul Diakessé, il y a Giscard Koussema, qui sont des journalistes de profession, encore que même au niveau du porte-parole du président de la République, Mme Tina Salama, est une journaliste de profession. Mais la question, elle est la suivante. Est-ce Mme Tina Salama, en sa qualité des porte-parole du président de la République, est-ce qu'elle est tenue de faire une émission avec le chef, avec le président? Elle n'a pas énervé l'ordonnance la nommant? Non, mais permettez-moi de rester dans ma logique interrogative, parce que la question, elle est posée comme celle-là. Est-ce elle est tenue de faire une émission avec le président de la République? Du coup, je dis oui. Pourquoi? D'abord, la première des choses qu'il faudrait retenir, la profession de journaliste, en tout cas, en ce que je sache, elle n'est pas incompatible avec la fonction de porte-parole du président de la République. Ça, c'est la première des choses qu'il faut retenir. Et la deuxième des choses, Madame Tina Salama ne porte la parole du président de la République que quand ce dernier est absent ou indisposé. Alors que là, il était en face du géniteur de la parole qu'elle porte, et donc le président de la République était bien présent. Et donc, Madame Tina Salama, en tant que porte-parole du président, elle ne pouvait pas porter la parole du président parce que c'est le président lui-même qui assumait la responsabilité de sa parole. Parce qu'ici, il faudrait même aller dans une logique selon laquelle Madame Tina Salama, comme porte-parole du président, si il interroge le président, cela voudrait tout simplement dire que le président est en train de poser des questions au président de la République. Et donc, là, sur le plateau, il n'était pas, ou elle n'était pas, porte-parole du président de la République, mais plutôt journaliste qui fait le travail de relayer les préoccupations de la population dans tout le secteur de la vie nationale, parce qu'il était quand même question de soumettre le président de la République dans un exercice de rédévabilité, de rendre le compte au peuple congolais par rapport aux questions d'ordre socio-économique, les questions de l'environnement, les questions de la justice, les questions de la sécurité. Et je pense que le président de la République en a répondu avec dextérité, mais aussi avec altérité, eu égard aux attentes du peuple congolais. Et cela est un exercice très important dans un régime démocratique. Merci, monsieur Manix Yenda, député de la rue. C'est important que nous puissions vous poser cette question. Monsieur Patsy Katanga, vous n'avez pas commencé la politique aujourd'hui. C'est pour aider quand même les étudiants, les gens qui sont en train de nous suivre. Ça crée débat. Est-ce que ça s'est fait ailleurs? Un porte-parole du chef de l'État qui fait l'émission avec un chef de l'État. Est-ce qu'il n'y a pas l'énervement de loi? Est-ce que ça peut se passer? Ça peut se faire? Ça s'est déjà fait ailleurs? Bon. D'abord, le chef de l'État organise sa communication comme il le veut. Ok. Ça, c'est un principe. En tant que chef de l'État, en tant que président de la République, il organise son service de communication comme il veut. Qu'il soit interrogé par un membre de son cabinet ou qu'il soit interrogé par les journalistes, je trouve tout cela superfétatoire. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est le bilan du président sortant. Okay. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est ce qui nous intéresse dans la politique. Dans la présence de la dame... Bon, maintenant, si la dame est une journaliste nommée au service de presse du président de la République, si le président de la République trouve que il serait mieux qu'il soit interrogé par un membre de son cabinet, ça me gêne un peu du fait de l'indépendance de la presse. Okay. Sur le plan de l'indépendance de la presse, on peut penser. C'est pas toujours prêt.
C'est pas toujours vrai. On peut penser que ce sont des questions. Boutiquées. Voilà. Réfléchies en avance. Exactement. Et la dame n'était pas libre de dire ce que. Tout à fait. Donc, sur le plan d'éthique professionnelle, ça pose un problème. Mais sur le plan d'organisation de son service de presse, s'il veut se faire interroger par les gens de son. De son cabinet, c'est son droit d'organiser sa communication comme il le veut. Mais il serait mieux pour lui de se soumettre à la contradiction devant des journalistes indépendants capables de lui poser toutes sortes de questions. Voilà, les Jean-Marie Kassamba, les Christian Lussakweno, nous également être en face de lui, essayer un peu de lui poser des questions, au lieu d'avoir quelqu'un de sa maison. Ils sont nombreux, même en province, il faut aussi en citer, au lieu d'avoir quelqu'un de sa maison, tout à fait. On dira que c'est ce que les papas m'avaient dit, que je puisse... Ça pose problème. Ouais, c'est ce qui crée un peu le débat. Mais ce n'est pas ça notre sujet du jour, mais plutôt entrons plutôt dans les fonds. De ce que les chefs de l'État avaient dit, c'est bien écrit. Le président de la République répond aux questions de la population sur la vie nationale. Parlons-en. Alors, monsieur Manix Yenda, je précise ici que vous êtes député de la rue, vous êtes très proche de la population. Les chefs de l'État a répondu à toutes les questions, mais ces réponses créent débat. D'entrée de jeu, pensez-vous que le chef de l'État était convaincant lors de cet entretien? D'abord, je voudrais revenir sur cette question de l'éthique. En aucune occasion, le fait pour Madame Tina Salam, en tant que porte-parole du président de la République, interroge les présidents, en aucune occasion, ça frise l'éthique professionnelle. Surtout pas de journalistes, parce qu'il y a même des journalistes affectés dans le différent ministère, il y a des journalistes d'attache dans le différent service public de l'État, tout en servant la République et en ayant le statut de journaliste. Et donc, ça ne frise pas l'éthique professionnelle. Alors, s'il faudrait revenir sur le propos du président de la République, parce que c'est ce qui est beaucoup plus important. Bon, convaincant par rapport à quoi? Est-ce le président de la République a été convaincant par rapport aux attentes du peuple congolais? Je dis non, parce que lui-même, le président de la République, s'est remis en cause par rapport à un certain nombre de points composant effectivement les préoccupations nationales, notamment quand le président de la République a abordé la question de la justice. Lui-même, il a été dubitatif. Il ne s'est pas octroyé un bilan totalement positif dans ce secteur. Le président, au contraire, il a été sincère, il a été vrai, il a été réaliste, il a été pragmatique, il a reconnu effectivement le gouvernement a essayé de faire quelque chose, mais il y a eu des forces pesanteurs en termes de mentalité qui ne permettent pas à la justice congolaise d'opérer avec une certaine indépendance, avec une certaine capacité de pouvoir rendre la justice pour tous et par tous. Et je pense que le président de la République, sur cette question, il est resté plutôt sincère, vrai, mais plutôt convaincant. Est-ce que la population avait besoin de sa sincérité ou la population avait besoin du résultat? Être sincère 4 ans et demi après, vous êtes sincère devant la population, il n'y a pas eu la justice, vous pensez qu'il faut les dédouaner? Je ne pense pas que le peuple congolais a besoin d'un président démagogue. Je ne pense pas que le peuple congolais a besoin d'un président menteur. Je ne pense pas que le peuple congolais a besoin d'un président complaisant. Le peuple congolais, effectivement, a besoin d'un président vrai, un président sincère, un président qui traduit les vraies réalités socio-économiques de son pays. Le peuple congolais a besoin d'un président qui met en avant-plan une responsabilité politique engagée et qui produit de solutions par rapport aux problèmes de Congolais. Le peuple congolais a besoin d'un président qui essaye de mesurer la taille des problèmes du pays. Parce qu'en réalité, s'il faudrait mesurer la taille et la portée des actions menées par le gouvernement Samalou Kondé sous la houlette de président de la République comme chef de l'État, il faudrait commencer par établir d'abord les degrés des problèmes que nous avons dans tout le secteur de la vie nationale. Prenons d'abord le secteur de la justice. Restons d'abord là. On va aller secteur par secteur. Ouais. Est-ce que quand le chef dit, il a fourni les efforts, mais il voit que ce que lui pensait et ce qui s'est fait dans notre appareil judiciaire, ça ne correspond pas à ce que lui voulait,
mais il est le chef. Il peut nommer d'autres personnes, il peut choisir les meilleurs pions. Est-ce qu'il faut qu'il puisse se plaindre comme ça au moment que le peuple est en train de souffrir, qu'il n'y a pas la justice? Non mais la vraie d'ailleurs. Non mais ça lui d'agir. Je pense que dans ce secteur de la justice, la justice a toujours été un grand chantier. Et dans ce secteur de la justice, il y a des spectres de problèmes qui entrent dans la ligne de compte. Il n'y a pas que le problème de juge en réalité qui peut être compris comme le problème de base dans le secteur de la justice. Il y a tant d'autres problèmes. Mais attention, aujourd'hui, c'est vrai, il faudrait d'abord commencer par reconnaître. C'est comme ça que je vous ai parlé de la taille de nos problèmes que nous avons. Parce que le Congo, dans tout le secteur de la vie nationale, a connu des sérieux problèmes. Mais par rapport à ces secteurs de la justice, il est vrai que le président a peint un bilan qui n'est pas assez négatif, qui n'est pas assez positif. Mais dans le même secteur de la justice, s'il faudrait parler dans le volet de l'impunité, je pense aujourd'hui, la lutte contre l'impunité est une réalité vécue. Merci. Dans le même secteur de la justice, aujourd'hui on parle de déni de justice. C'est-à-dire il y a au moins deux magistrats qui se sont compromis dans leur responsabilité de juge ou encore de magistrat de pouvoir rendre la justice de manière équitable. Et ces magistrats-là ont été sous les viseurs de la même justice pour subir la rigueur de la loi. Merci. Et donc, je pense que le président, au-delà de tout ce qu'il avait conçu comme projet de société, comme programme dans ces secteurs de la justice, il a été sincère et il a été vrai. Le président n'a pas obtenu de résultats escomptés. Et donc, il a la responsabilité, effectivement, de pouvoir résoudre ce secteur parce qu'il y a un dicton qui nous dit « La justice élève la nation ». Alors, monsieur Patsy Katanga, très proche de Moïse Katumbi, pensez-vous qu'il y a eu les avancées depuis l'accession au pouvoir du régime Tshisekedi par rapport à l'ancienne justice? Il y a eu quand même l'amélioration. Le président parle comme si il n'a jamais été capable d'analyser la problématique telle qu'elle s'est posée. Le président a fait un mandat. C'est un président de la République sortant. Il parle comme si c'était un président de la République entrant et il trouve des problèmes. Il dit aux Congolais, voilà les problèmes que j'ai trouvés et que j'ai le devoir de trouver des solutions à ces problèmes. Le président de la République est fin mandat, c'était chef de l'État, président de la République sortant devant les élections. Il devait plutôt parler du bilan. Ben c'est vrai, il est honnête en parlant de son échec. Échec? Oui, il est en parlant de son échec. Vous voulez commencer par la justice. Okay, j'ai l'impression que le président dit une chose et son contraire. Une chose est vraie, il dit que la justice, plutôt que d'élever une nation, dans notre pays, la justice détruit. Ce sont ces mots. Hein? Okay. La justice détruit notre nation. C'est une accusation grave. Mais le président de la République avait les devoirs d'apporter des solutions là où la justice détruisait. Quatre ans et demi après. Ok, 4 ans. Son devoir, c'était de trouver des solutions. Mais aussi sur la praticabilité de la justice sur le terrain, il faut rappeler ici le magistrat du parquet. Le magistrat du parquet qui instruit, met en détention, est sous la responsabilité du ministre de la Justice. Madame Rose Mutombo. Et donc, non, sur les principes, il est sous la responsabilité du ministre de la Justice. Et le ministre de la Justice, c'est l'exécutif, il est membre du gouvernement. Donc, le magistrat du parquet ont des instructions venant du gouvernement, des ministres de la justice. Mais le président de la République sait très bien qu'aujourd'hui, nous avons des opposants en prison. Des opposants? Oui, enlevés et mis en prison sans respect d'aucune procédure de droit. J'ai dit ici Salomon Idi Kalonda. J'ai dit ici Franck Diongo. J'ai dit ici Moukeba. Et on peut continuer comme ça. Et le président de la République, qui est le président de tous les Congolais, qui fustise la justice, qui dit que la justice de notre pays détruit la nation, doit prendre des mesures adéquates pour que cela n'arrive pas. Ce n'est pas normal qu'à la veille des élections, qu'on puisse terroriser les opposants. Ça donne l'impression. C'est le cas du régime. C'est le cas aujourd'hui. Je vous ai cité ceux qui sont en prison sans aucune procédure, sans aucun respect du procédure de droit. Okay. Et le président de la République lui-même en Mbujimayi, il a dit, expressis verbis, que je m'attaquerai sans respect des droits de l'homme et je n'ai pas de leçons à recevoir dans ces domaines.
à tous ceux qui vont s'attaquer à la nation. Mais j'ai dit au président de la République, nous avons des règles du droit, nous avons des lois, nous avons une constitution. Il faut tout simplement appliquer nos lois et respecter la constitution. Et donc aujourd'hui, le président de la République, tout en disant, et je suis d'accord avec lui, que la justice détruit notre pays. J'ai dit dans la pratique, monsieur le président de la République doit mettre fin à cette destruction de la nation en mettant en liberté immédiatement Salomon Idikalona qui est en prison au détriment de toutes les règles de droit, donnant l'impression même d'être devenu le prisonnier personnel du chef de l'État. Mais Salomon, selon la communication de la DMIEP, à moins que je me trompe, il a comploté contre... il veut comploter contre la nation, faire un coup d'État, il y a eu trop d'accusations à sa charge. Pensez-vous Toujours dans le cadre de... La justice qui détruit notre nation, vous venez de citer quelque chose de très grave. De très grave à l'égard de notre service. J'ai la vidéo, j'ai la vidéo. La DMIEP, c'est un service. C'est dans la praticabilité qu'on voit la sincérité du chef de l'État. Aujourd'hui, les services de sécurité, notamment la DMIEP, est caporalisée. Caporalisée? Oui, ce service... Instrumentalisé. Ce service... Laissez-moi, vous l'avez laissé l'autre parler. Laissez-moi, moi je parle au Congolais. Sentez-vous à l'aise. Ce service est au service, passez-moi le pléonasme, de la sûreté de l'État. J'ai dit bien la sûreté de l'État. Nous sommes un pays menacé. Menacé dans son versant est. Menacé dans son versant ouest aujourd'hui, parce que la guerre est même ici à Maluku. On attend de ces services de sécuriser le Congo en arrêtant ceux qui cherchent à mettre en... ceux qui cherchent à s'attaquer à notre sécurité. Pas de terroriser l'opposition. La DMIEP n'a aucun élément, et je le dis, aucun élément contre Salomon et Sadera. Les avocats ont communiqué. Vous avez suivi les communications des avocats de Salomon? Depuis l'arrestation de Salomon et de Kalonda, les 30 mai de cette année, on ne voit que de violation en violation du droit. Alors que notre pays a vocation à construire un état de droit. Donc aujourd'hui, les avocats de Salomon ont fait un point de presse, c'était il y a 3 jours. Donc on démontré à suffisance que Salomon Kalonda aujourd'hui croupit dans un état de non-droit. Et donc le président de la République, s'il veut remettre la justice dans ce beau drap, si on veut avoir un état de droit, c'est commencer à agir contre les violations des droits de l'homme, notamment dont Salomon est victime, et avec Franck Fillon. Merci. Alors, M. Manix Yenda, le chef dit que la justice ne marche pas. M. Patsy Katanga vous dit clairement ici, il met des cas patents sur la table. Il y a le cas de Salomon qui est le conseiller spécial de Moïse Katumbi, un opposant. Il y a Franck Diongo qui est aussi opposant. Mike Mukeba est un opposant. Mais le chef voit cela. Mais pourquoi il ne peut pas intervenir, dire clairement, je ne veux pas ça, il faut laisser les opposants libres au lieu d'avoir les prisonniers du régime, comme Salomon, comme M. Paty vient de le dire. M. Delphin, je vous ai dit que le secteur de la justice est un grand chantier en République démocratique du Congo. Je vous ai présenté les spectres de problèmes que l'on peut trouver dans ces secteurs de la justice. Je vous ai parlé de l'impunité. Je vous ai parlé de la sauvegarde de droits et libertés fondamentaux des citoyens. Je vous ai parlé de la lutte contre la corruption. Je vous ai parlé des respects même de la loi, parce que le juge n'est sans soumis qu'à la seule autorité de la loi. Je vous ai parlé de l'indépendance des juges, qui est un principe des bases pour une justice équitable. Je vous ai parlé des conditions carcérales dans laquelle on détient ou on retient les détenus, le citoyen congolais. Je vous ai parlé effectivement de l'organisation de la tenue, même de concours des magistrats pour assurer une couverture nationale. Je vous ai parlé des conditions salariales des magistrats même. Okay. C'est-à-dire, en réalité, il y a toute une liste de problèmes. Mais la question est celle de savoir à quand ou à quelle période ces secteurs de la justice a terriblement été détruite. À quelle période? Et donc aujourd'hui, M. Tshisekedi a la responsabilité de remonter la penche. Et donc il a la responsabilité de penser aux plaies qui ont été créées par un régime qui a géré les pays pendant 18 ans, s'il vous plaît. Deuxièmement,
pour revenir à ce sujet de M. Salomon Escadella, vous savez, moi, ça me fait quand même très mal. Ok. Vous savez, lorsqu'on parle de l'État, il faut un peu un degré de responsabilité. On est avant tout citoyen congolais et non membre d'un parti politique. Il faut par moments mettre de côté cette forme de politique paroissiale autour de cultes, des personnalités, des louanges et adorations à certains individus. Parce que là, je me rends compte que mon co-débatteur est aliéné à la fibre politique de son parti politique. C'est-à-dire, il vient avec l'intention de défendre à tout prix M. Salomon Escadella. Ce n'est pas responsable. Je vous ai entendu au début, vous l'avez présenté comme un doyen. Le doyen voudrait dire le degré des sagesses. Les doyens voudraient dire le degré des responsabilités, les degrés de maturité en ce qui concerne les questions de l'État. On ne parle pas ensemble. On ne parle pas pépère. On parle de l'État. Et l'État a ses principes. L'État a ses valeurs. L'État a ses credos. Puisque vous voulez qu'on en parle, je voudrais vous inviter à un débat sur l'État. Monsieur le doyen, l'État a deux missions principales à retenir et à noter. Heureusement que vous avez un stylo et un papier. La première mission de l'État, c'est la mission. La mission gendarme voudrait dire que l'État a le monopole d'imposer l'ordre public au travers de sa contrainte publique. C'est-à-dire l'État a le pouvoir d'imposer le respect de la loi. L'État a le pouvoir de sauvegarder l'intégrité territoriale au travers les services de sécurité et défense, mais aussi le service de renseignement. L'État a l'obligation d'assurer, permettez-moi la tautologie, la sûreté de l'État. L'État a l'obligation de garantir la protection de citoyens ainsi que leurs biens. Ça s'appelle la mission gendarme de l'État, État policier. La deuxième mission de l'État, c'est la mission providentielle, État service. Ici, l'État se substitue à un opérateur de développement économique pour créer des conditions favorables afin d'assurer une vie paisible à ses citoyens. Restons dans le volet de l'État gendarme. Vous avez déjà vu un pays au monde, un État au vrai sens du terme, qui n'a pas de service des renseignements? Vous avez déjà vu? Vous avez déjà vu un pays au monde qui n'arrêtait pas les opposants? Vous avez déjà vu un pays au monde qui a exempté les opposants de toute responsabilité pénale? Vous l'avez déjà vu? Vous avez parlé de la DEMIAP et je suis sûr et convaincu que vous ne savez même pas que veut dire DEMIAP. Je ne voudrais même pas revenir dans ces débats de définition. Bon, il faut compter l'heure, hein. Il faut compter le temps. Ce n'est pas moi qui tiens la police du débat. Je vais vous donner le même temps d'antenne. Le plus important, c'est de noter et de revenir sur mes propos. S'il vous plaît, la parole des avocats de M. Salomon Escadella n'est pas une parole d'évangile, messieurs. Les avocats ont pour mission défendre la cause de leurs clients. Encore que... il faudrait voir la véracité et le contenu objectif des paroles proférées par les avocats de M. Salomon Escadella. Mais on a trouvé un revolver. Vrai, c'est deux minutes. On a trouvé un revolver dans une manifestation publique, dans une marche. Je ne pense pas que vous êtes ami à Salomon Escadella. Je ne pense pas que vous êtes frère ou encore quelqu'un avec qui il partage son intimité criminelle. Non! Par moment, vous devez avoir un peu de recul, de pouvoir défendre des choses que vous ne maîtrisez pas. Partout au monde, lorsque un sujet de l'État, un citoyen, fait l'objet d'une enquête ou l'objet d'un certain nombre de renseignements, le service devra faire leur travail convenablement. 30 secondes. Moi, j'y étais. Moi, j'ai été à l'ANR. C'est faux. C'est faux. Il a été arrêté. C'est faux. Moi, j'ai fait 4 mois. On connaît tout, c'est faux. Les gens qui sont en train de suivre là, ils savent que. Je vous ai rappelé tout à l'heure que le doyen. Il a fait 4 ans à l'année. Parlez pour vous, pas du doyen. Parlez pour vous. Monsieur Pati Katanga, pas de problème. Bon. Je voudrais dire que le doyen veut dire sagesse. Les doyens veulent dire maturité. Le doyen veut dire responsabilité. Faites preuve de votre qualité
aussi majestueux qui vous a été conféré par M. Delphin, la qualité en, de en doyen. S'il vous plaît, ne racontez pas. En vous laissant raconter des inepties. S'il vous plaît. 30 secondes, le doyen commence à. Le doyen commence à invectiver, le doyen commence à insulter. S'il vous plaît, que ce soit un débat républicain. Non, mais est-ce que le doyen. Est-ce que le doyen peut me laisser finir avec la culture de tolérance? S'il vous plaît. Il vous reste 30 secondes. 30 secondes. Monsieur le doyen, je confirme que vous avez fait 4 mois à la nerf, vous venez de sortir il n'y a même pas un mois. Continuez. Monsieur le doyen, n'insultez pas votre jeune frère. J'ai le sens de l'éducation. Ce n'est pas mon école. S'il vous plaît, ce n'est pas mon école, l'insulte. Ne me dites pas qu'il n'insultait pas, je suis obligé d'intervenir. 30 secondes, chitez. Ce n'est pas mon école, l'insulte. 30 secondes, monsieur Manix Yenda. Je sais ce que c'est les inepties et vous ne pouvez pas dire à votre co-débatteur qu'il est en train de dire des inepties. Mmh. C'est une insulte. C'est des contre-vérités. Oh là là. S'il vous plaît. Monsieur Manix, 30 secondes, chitez. Bon. 30 secondes, 30 secondes. Donc, c'est juste pour vous dire que. Ce n'est pas important de se balloter au gré des vagues des politiciens qui veulent nous créer une république qui n'existe pas. Laissons la justice, laissons le service des renseignements de faire leur travail convenablement. Et il y aura un moment, M. Salomon Escadella, après qu'il ait été transféré au niveau de la DEMIAP, il sera transféré à qui de droit? Et la justice aura à faire son travail. Parce qu'en réalité, M. Salomon Escadella, comme citoyen congolais, il a le droit de la défense. Merci. Alors, M. Manix Yenda, calmez-vous. Moi, je suis très calme. Merci. C'est au doyen d'être calme. Merci, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il s'appelle M. Patty Katanga. Il est président de Maïmaï, très proche de Moïse Katumbi. M. Patty Katanga, je vous confirme que M. Manix vient de faire 4 mois à la NER après avoir quitté LGD. Je vous confirme. Taisez-vous et écoutez comment je dis comme information. Je vous confirme. Alors, monsieur. C'est contesté par les autres. Alors, monsieur Patty Katanga. Monsieur Patty Katanga, croyez-vous. Que de l'orgueil. Croyez-vous qu'avec le temps, avec l'impulsion donnée par le chef de l'État, on peut avoir un vrai état des droits en RDC? Je constate que plutôt que d'être dans un débat sur la justice. On nous emmène sur le fonctionnement de l'État. Oh. Quand cela le tienne. L'État a ses principes, on a souligné ici. Parmi les principes sacro-saints d'un État, aujourd'hui, dans les superstructures modernes, c'est le respect des droits de l'homme. Et le respect des droits de l'homme est tellement large qu'aujourd'hui, au Congo, il n'y a pas respect des droits de l'homme. Oui, Salomon Stadela, je le connais mieux que vous. Je le connais bien. Si vous ne connaissez pas, il fallait me poser la question. Donc, ce n'est pas parce que je le connais bien que je viens le défendre. Non, je viens défendre le principe. Vous avez parlé d'un revolver qu'on a trouvé chez Salomon Stadela. Vous n'avez pas l'information, c'est possible. Vous ne savez pas que l'ancien Premier ministre Matata a communiqué là-dessus pour dire que ce revolver Jericho avait été perdu, non pas le 25, au sit-in, comme l'a dit la DEMIAP, mais le revolver avait été perdu le 20 par le garde du corps de l'ancien Premier ministre et ce revolver est traçable. Il y a une traçabilité de cette arme. Okay. Donc cet alibi-là tombe. Cet alibi-là, il avait un revolver, tombe. On va aller chercher d'autres alibis en cherchant de monter de preuves. Jusqu'aujourd'hui, je confirme, il n'y a aucune preuve contre Salomon Estadela. Il n'y a aucune raison que Salomon Estadela soit en prison. Et donc, je demande au président de la République, pour que plus jamais la justice détruise notre pays, comme il est dit, c'est de faire tout parce que le parquet, qui instruit à charge et à décharge, reçoit des instructions du ministre de la Justice. Et donc, le ministre de la Justice est membre du gouvernement. Donc, les instructions viennent du gouvernement. Et donc, le président de la République, en tant que chef de l'État, peut donner l'instruction pour qu'un citoyen congolais, Salomon Estadela, contre lequel on n'a aucun grief, puisse être mis en liberté. Et il n'est pas le seul, j'ai cité ici aussi Fanny Dion, j'ai cité aussi d'autres. J'ai dit le respect des droits de l'homme est un principe sacro-saint aujourd'hui, si vous voulez être pris au sérieux sur l'échiquier mondial. Et nous avons notre constitution et notre droit qui est bien fait. Lorsqu'on arrête quelqu'un, on lui signifie les raisons pour lesquelles il est arrêté. Lorsqu'on arrête quelqu'un, il a le droit d'avoir ses avocats et de communiquer avec sa famille. Les avocats de Salomon et Stadela viennent de communiquer, je pense que vous n'avez pas suivi.
il y a eu des violations graves de droits de l'homme dans l'arrestation de Salomon Estadella. Et donc, je comprends le président de la République qui dit il y a des choses que lui n'a pas autorisées. Oui, moi, je veux le croire, c'est le président de la République sortant. Mais je dis qu'il peut corriger. Voilà ce que j'ai dit pour la cohésion nationale. Nous allons maintenant aux élections. Et donc, le président de la République, en tant que président de la République, il a tout intérêt à surmonter les discordes qui tenaillent notre pays. Nous devons surmonter ces discordes pour construire la paix, afin que nous allions aux élections démocratiques crédibles et apaisées. Si l'opposition est martyrisée comme c'est le cas aujourd'hui, ça voudrait dire qu'on prépare pour notre pays des élections qui ne seront pas apaisées. Et ça, les présidents de la République n'y gagneraient rien. Les présidents de la République n'y gagneraient rien. Il a tout intérêt à ce que nous avancions vers des élections démocratiques crédibles et apaisées. Et ça, ça passe par une justice au milieu du village. Ça, ça passe par le respect des droits de l'homme. Ça, ça passe par la bonne gouvernance. Donc, moi, j'ai conseillé au président de la République de ne pas suivre les sons de cloche qu'il appelle à violer les droits de l'homme, mais plutôt de s'inscrire dans la dynamique des nations civilisées. Parce que nous ne sommes pas seuls sur la planète. Les autres nous regardent. Les autres pays nous regardent. Nous ne sommes pas seuls sur la planète. On ne doit pas donner l'image de la risée du monde que le Congo est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme, que le Congo est un pays où on traque les opposants. Ce n'est pas une bonne image pour notre pays, monsieur le président de la République. Vous avez tout intérêt à ce que nous demandons le droit, que le droit s'exerce, le droit est rien que le droit, le respect de nos lois et de nos tests. On n'a pas à caporaliser les services de sécurité tels que la DEMIAB, chargée de la sûreté de l'État. On n'a pas à caporaliser même l'ANR, qui est au service de la sûreté de l'État. Nous avons déjà assez de problèmes à l'Est. On connaît là où habite Willy Ngoma. On connaît là où habite Sultani Makenga. Les Congolais attendent du président de la République de trouver des solutions dans de des problèmes de sécurité qui tenaillent le Congolais aujourd'hui, notamment à l'est de notre pays et à l'ouest. Alors, et non de traquer les opposants. Monsieur Patrick, voilà, c'est clair. Une question de curiosité, est-ce le chef de l'État actuel, il est traité par les opposants comme un dictateur, est-ce vrai? Bon. Donnez-moi la photo du chef de l'État. Non, c'est une question, il est traité par les opposants. Comme un dictateur, il semble qu'il y a certains nouveaux Mobutu aujourd'hui, dit ce qu'il dit. Le président sortant a tout intérêt, j'ai dit, à ne pas installer la dictature. À ne pas installer la dictature. Parce qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça se termine, la dictature. Donc, lui-même parle de l'état de droit. Lui-même parle de l'état de droit depuis le début de sa mandature. Et donc, je lui dis, il doit s'en approprier cet état de droit dans le sens de respecter les droits de l'homme. C'est ça l'état de droit. C'est de respecter le droit de l'opposition à avoir le droit de citer. Est-ce qu'il est dans l'élan d'un dictateur? Il y a des comportements qui sont inquiétants. J'ai souligné ici l'arrestation de Salomon Idi Kalonda. Okay. Ça respectait aucune règle de droit. On peut citer ici, il y a Franck Diongo, il y a aussi les autres. J'ai dit, il doit abandonner ce relan-là. Si ce relan-là l'habite, où il y en a une partie de son clan qui le pousse vers ce relan, il doit résister. Il doit résister pour dire, vous connaissez mes relations avec Étienne, son père. Vous connaissez, vous pouvez projeter mes photos ici, où je suis sur sa table et je mange. Ce fut mon maître pensé, Étienne. Et ce que je peux souhaiter du président de la République sortant, c'est de s'en inspirer. Voilà. Mais même quand le chef dit à certains princes de l'Église qui oublient un peu leur rôle, pour ces cas-là, il ne va pas être faible devant les gens qui veulent compromettre l'intérêt de la nation. Là aussi, il est toujours un dictateur, ou soit il met en garde ceux qui se comportent de manière bizarre contre la nation. Vous avez suivi l'audio qui tourne depuis avant-hier. De quel audio? Voilà, entre le ministre de l'Intérieur. Ouais, ministre Peter Kazadé avec un monsieur là. Je ne sais pas si c'est vrai, mais l'audio fait rage dans les réseaux. Le problème de sécurité, c'est plutôt dans l'enlèvement. Lorsque l'Église dénonce que le Congolais tire le diable par la queue. L'Église dénonce tous ces méfaits que vit notre société aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à reprocher à l'Église? Cette Église-là a été derrière nous pour combattre Kabila. Ah oui.
Dans l'église. Et l'église est toujours au milieu du village. Ah. Aujourd'hui, si l'église remarque que nous sommes en train de faire un recul plutôt que d'avancer, l'église a le droit de nous rappeler. Merci. Mais l'église ne recherche pas le pouvoir. L'église est au milieu du village. Merci. Alors, M. Manix Yenda, vous allez ouvrir la question de l'économie, mais lui quand même répond à la question de la dictature. Est-ce l'homme qui est ici ressemble à un Mobutu ou à un Poutine de l'Afrique? Je m'en moque et vraiment ça fait très rire lorsque nous observons les comportements des acteurs politiques au sein de la classe politique congolaise. Ben, moi je pense que en tant qu'acteur politique, nous devons dire les choses bien et vraies. J'ai aimé les deux formulations de vos questions. Okay. Vous avez posé la question à mon co-débatteur, est-ce que Tshisekedi est dictateur? Il n'a pas su répondre à cette question. Et donc, je sais qu'il est convaincu que Tshisekedi n'est pas un dictateur. Okay. Vous avez changé même la question en posant la question de savoir s'il a même l'élan d'être dictateur. Encore une fois, mon co-débatteur a été dubitatif pour traiter Tshisekedi d'un dictateur. Il a de la difficulté, il a du mal, parce qu'il sait que Tshisekedi ne ressemble pas à un dictateur. Ceux qui disent, et je crois que le président de la République est revenu sur cette phrase, dans son discours lors de l'émission avec Madame Tina Salama, ceux qui traitent Tshisekedi des dictateurs, ils ne les traitent pas en Papouasie ou à Sri Lanka. Il les traite dictateurs tout en étant ici, à Kinshasa. Il traite Tshisekedi des dictateurs tout en circulant librement. Peut-être que nous sommes un peu amnésiques sélectifs. Regardons le dictateur et le profil même de dictateur dans certains pays en Afrique. Ok. Est-ce qu'au Rwanda, par exemple, un opposant peut s'élever un matin et dire des choses comme nous disons aujourd'hui à Tshisekedi, les traiter d'incompétents, de médiocres et tout le reste? Est-ce que c'est possible à Kigali? C'est possible au Rwanda? Voilà le profil d'un dictateur. Est-ce qu'au Congo d'en face, le président Sassou, vous savez ce que c'est l'opposition au Congo d'en face? Voilà le profil d'un dictateur. Tshisekedi, je pense, il garde encore le germe et la culture démocratique qu'il a obtenu par le combat de son père. Et je suis très content que vous partagiez le même référentiel politique avec M. Tshisekedi, puisque vous avez cité tout à l'heure le nom d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Mais je me demande à quel niveau vous vous êtes convergé ou divergé plutôt avec M. Tshisekedi sur le plan de philosophie politique, parce que votre dénominateur commun, c'est Étienne Tshisekedi Wamulumba. Il a parlé de l'opposition. Cher doyen, est-ce qu'on peut être sincère? Est-ce que vous pouvez être à même de nous éventurier en termes de nombre les différentes activités organisées par l'opposition sous le régime de Félix Tshisekedi? L'opposition a organisé 18 activités. 18. Ok. 18 activités. Des marches, des sittings, des meetings, etc. 18 activités. Sous le régime de Tshisekedi. Nous faisons ensemble le bilan. Dans quelle activité de l'opposition politique où vous avez compté le nombre de morts? Puisque vous parlez de droits de l'homme. Dans quelle activité, meeting, marche, sitting, organisée par l'opposition politique de notre pays où on peut compter le nombre de morts? Il n'y en a pas. Dans combien d'activités des types politiques où on arrête les opposants pour des raisons politiques vers le service de sécurité de notre pays? Dans combien d'activités? Soyons quand même sincères. L'opposition opère librement avec toute inquiétude, mais le plus grand problème, c'est au niveau même du contenu de notre opposition. Moi, je me pose toujours la question, on s'oppose à quoi? Okay. Est-ce qu'on s'oppose au costume de M. Tshisekedi, à la taille de M. Tshisekedi, à la peau de M. Tshisekedi?
où on s'oppose à la gouvernance de M. Tshisekedi. Si du moins vous faites une opposition de gouvernance dans chaque secteur de la vie nationale, alors je serai beaucoup plus heureux sur ce plateau lorsque j'entends de la bouche d'un opposant l'offre politique contraire proposée par l'opposition. La critique, elle est très aisée. Je voudrais que dans ce secteur de la justice, dans ce secteur de la démocratie, que l'opposition ici représentée par notre doyen nous présente le paradigme de gestion pour une formation politique qui aspire à gérer le pays demain. Merci. Quel est votre modèle de justice? Merci. Vous en tant qu'ensemble, vous en tant que proche de M. Moïse. Merci, M. Manix Iyenda, député. On s'oppose à quoi? Alors, M. Patanga, je vous avais promis que vous allez ouvrir cette question de la bonne gouvernance et de l'économie, parce que, parlons-en, la vie est chère au Congo. Moïse Katumbi l'avait dit, vous avez même, il y a marché. Aujourd'hui, pensez-vous que le régime Tshisekedi, face à la bonne gouvernance, surtout dans les secteurs économiques, le régime est en train de faire les efforts? Je pense que les Congolais nous regardent. Il ne faut pas donner l'impression comme si c'était moqué des Congolais. Les Congolais sont en train de tirer les diables par la queue. On va parler de ceux qui sont de la capitale, mais aussi les Congolais dans l'arrière-pays. Aujourd'hui, vous avez une situation socio-économique intenable. Oui, on s'oppose à M. Tshisekedi sur sa gouvernance. Pas sur la personne. Pas sur son costume. Pas même sur les référentiels. On s'oppose sur la gouvernance. Ok. Monsieur Tshisekedi, sa gouvernance a précipité le Congo dans les abysses. Je dis bien dans les abysses socio-économiques. Aujourd'hui, le dollar est à 25. Ok. Le débat que nous aurions dû avoir aujourd'hui à la fin de son mandat serait été sur son bilan. Combien d'emplois créés depuis 5 ans, bientôt? Combien d'entreprises créées depuis 5 ans, bientôt? Le salaire de Congolais, la statistique des Congolais qui ont un emploi, au moins ceux qui en ont un, ils sont combien? Il a trouvé à combien et on est passé à combien? C'est les débats qu'on devait. C'est les Congolais nous attendent maintenant sur les bilans. Voilà, pas sur les invectives. Parlons-en. C'est pas mon école, les invectives. Ok. La politique se nourrit. La politique se nourrit de la réflexion, pas des invectives. Je suis très d'accord. Donc, aujourd'hui, vous sortez dans la rue, nous sommes à Kinshasa. Je ne vais même pas dire à Masisi, je ne vais même pas dire à Bounagana, mais sortez dans la rue, posez la question à n'importe quel Congolais, même ceux qui travaillent. Ils vont vous dire, même ceux qui travaillent, alors que je l'ai combattu, Kabila, et je pense que s'il revenait, je le combattrai encore. Mais les Congolais commencent à dire, je constate, n'allez à Kabila, coutez à Riboyete. Ils les disent, les Congolais. Okay. Si vous êtes, ils sont en train de me suivre. Nous, l'avantage qu'on a, c'est de vivre à la cité, c'est d'entendre les Congolais tout le matin. C'est de vivre à la cité et d'envoyer nos enfants, comme c'est les vacances, d'aller faire le marché. Et quand ils reviennent, papa yobo kenuta la pala wenz, la conquitté. Ok. On nous demande, papa. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ça, c'est votre problème sur la télévision, mais les Congolais nous suivent. Ok, ok. Beaucoup de problèmes sociaux aujourd'hui dans les foyers congolais, c'est au niveau existentiel, hein, au niveau de la nourriture, au niveau comment s'habiller, comment manger, comment payer les minervales des enfants. Donc, c'est-à-dire que nous sommes à ce niveau-là, c'est une catastrophe. À ce niveau-là, c'est une catastrophe. Mais il n'y a pas la bonne gouvernance, la situation économique est désastreuse. Bien sûr, la situation socio-économique, non seulement désastreuse, nous sommes dans les abysses, là, nous sommes dans les trous noirs. Okay. Nous sommes dans les trous noirs. Les Congolais commencent à manger par délestage. Aujourd'hui, on prépare pour les filles. C'est vrai. Demain, on prépare pour les garçons. Et donc, si vous arrivez... En plus, un seul repas par jour. Si vous arrivez à ce niveau d'abysse, on ne peut pas dire que les bilans... Non, les bilans catastrophiques, les bilans du président de la République sortant. Voilà pourquoi nous avons... une politique d'échange. Voilà pourquoi nous voulons aller devant les Congolais dans les élections qui viennent pour leur soumettre notre projet de société. Qu'est-ce que nous voulons pour le Congo demain? Le Congo a des atouts
Et je pense qu'avec les atouts de notre pays, nous sommes capables de relever les défis. L'ensemble maintenant a un nouveau projet de... J'ai dit le président de la, le candidat président de la République, c'est Moïse Katumbi. C'est celui-là. Je ne suis pas dans... Je suis président du parti politique, je suis Maïma. Oui, je soutiens un candidat. Je soutiens un candidat. J'adhère à la candidature du président Moïse Katumbi. Président de l'ensemble. Olivier Kamitov, vous avez dit que vous n'avez pas l'offre politique jusque-là. Est-ce que c'est sérieux, ça? Est-ce qu'un parti politique, je ne suis pas de l'ensemble, un mouvement politique, un candidat président de la République peut avoir une politique d'échange. Il peut avoir une offre politique. Donc, ça n'a pas, c'est un débat, c'est un faux débat. Nous perdrions le temps pour rien du tout. Moi, je soutiens une vision qui est celle de Moïse Katumbi. Voilà l'homme que je soutiendrai à l'élection présidentielle qui va arriver parce que les bilans du président de la République sortant sur le plan socio-économique que nous sommes en train de débattre est chaotique. Merci. Alors, monsieur Manix Ienda, vous êtes du côté de la population. On vous appelle député de la rue. C'est la situation que le peuple congolais est en train de vivre, à moins que vous puissiez vivre dans une autre planète. Alors, la bonne gouvernance avec Félix Antoine Tshombo Tshisekedi, la situation économique des Congos ressemble à un enfer. Le mot sont le vôtre. Je pense que l'argument, il est mien. Laissez-moi répondre à votre question à ma manière. Parce que vous utilisez... plusieurs termes catastrophiques, l'enfer, et etc. Mais moi, je suis quand même pragmatique. Je suis quand même réaliste. Même si je suis très déçu de se rendre compte qu'on a exhumé quelqu'un qu'on avait déjà enterré, Joseph Kabila, à qui l'on veut présenter comme un prototype d'acteur politique référentiel pour l'avenir de notre pays. Malheureusement. Selon monsieur. Non, mais il est réclamé Patrick... par lui. Okay. Lui, il veut du retour de Joseph Kabila. C'est pas ce que j'ai dit. Et il s'accroche. Voilà la malhonnêteté. Non, mais s'il vous plaît. La malhonnêteté que tu as dit. Laissez-moi dans ma malhonnêteté. Non, mais j'ai dit que les Congolais. Vous avez été malhonnête et je vous ai laissé parler. Mais les Congolais nous suivent. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez été malhonnête et je vous ai laissé parler. C'est une comparaison. C'est son temps de parole. Notez seulement. Vous allez parler. Merci. C'est un débat. On peut aussi échanger. C'est pas méchant, mais j'ai dit c'est une comparaison. Non, mais l'interférence. Dénaturer mes propos, ça ne vous grandirait pas auprès des Congolais. Vous, lorsque vous reprendrez la parole, vous allez revenir sur ces éléments. Laissons le débat revêtir sa beauté et sa beauté objective. Évoluer. Je vous invite encore à la tolérance, monsieur le doyen. Il a semblé exhumer, il a semblé plébisciter Joseph Kabila. Et il a même donné des exemples. Aujourd'hui, le Congolais mange une seule fois le jour. C'est comme si... Il y a les filles et les garçons. Justement, c'est sous délestage. C'est comme si sous Joseph Kabila, lui, il veut nous dire que le Congolais mangeait trois fois. C'est ça la vérité, d'après lui. Il veut nous dire que sous Joseph Kabila, le jeune, le Congolais, ils avaient de l'emploi. Il veut nous dire que sous Joseph Kabila, le Congolais, ils avaient de l'électricité. Ils avaient de l'eau. Il y avait des entreprises créées. L'économie était à la hausse. C'est ça qu'il veut nous dire. Je comprends les stratagèmes de ces écoliers de Kingakati. Ils veulent à tout prix le retour de Joseph Kabila. Je veux m'adresser à notre peuple au sujet de Joseph Kabila. Si le peuple congolais essaye de commettre une erreur, de faire revenir Joseph Kabila à la tête de ces pays, il est ici. Le Congolais restera le peuple le plus malheureux de l'histoire de la planète. Je pèse bien mes mots. Joseph Kabila, il a été désigné ou investi comme président de la République par des moyens que nous connaissons tous, à l'âge de 29 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, matin, j'ai même fait un tweet. Joseph Kabila est le seul premier président jeune qui n'a jamais fait confiance à la jeunesse. Ici, dans ce pays. J'ai bien dit, Joseph Kabila est le seul premier président, est le premier président jeune dans ce pays qui n'a jamais fait confiance à la jeunesse. Que les gens du PPRD, les militants, les cadres, le jeune du PPRD. Mais cite ne serait-ce que le nom d'un jeune du PPRD que Kabila a nommé comme ministre dans son gouvernement. Joseph Kabila, aujourd'hui, il regrette. Il regrette le fait d'avoir permis l'alternance démocratique dans ce pays. Il regrette le fait d'avoir organisé les élections en 2018.
Et aujourd'hui, Joseph Kabila et les écoliers de Kingakati, ils espèrent à la formule Sassou Lissouba. Ils espèrent à cette formule. C'est-à-dire, Sassou qui cède le pouvoir pour des raisons d'alternance démocratique à Lissouba. Et 5 ans après, il revient encore comme président. Mais voilà le pire. Lorsque Sassou est revenu pour la 2e fois comme président du Congo-Brazzaville, vous avez vu le comportement de M. Sassou? Il est devenu plus dictateur que ce qu'on ne pouvait même pas imaginer. C'est-à-dire, si Joseph Kabila devient ou redevient encore président de la République dans ce pays, il sera plus dictateur que le monde n'a jamais connu, que le Congo n'a jamais connu. Parce qu'il va se dire, ah, ces gens ici avec cette histoire de la démocratie, ils ont eu à me marcher dessus. Ces gens avec cet esprit de la démocratie, ils se sont permis de dire beaucoup de choses. Et par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va fermer les partis politiques. Il va instaurer les partis État. Il va tuer des Congolais. Le droit de l'homme que vous évoquez sur le plateau n'existera pas. L'état de droit dont vous parlez ici, ça n'existera pas. Ne commettez jamais, ça c'est un conseil d'un jeune qui donne conseil à son doyen, de vouloir exhumer quelqu'un qui est déjà enterré. Au sujet de Joseph Kabila, au sujet du PPRD, la seule phrase que nous pouvons dire, que l'âme politique de Joseph Kabila se repose en paix. Revenez sur la question. Ne revenez plus jamais sur ces débats. Ne faut pas intimider mon invité. Revenez sur la question. Non mais ça fait quand même très mal. Hein? Lorsqu'on dit Kabila Zongana Onanu. Donc son âme repose en paix. Non mais quand on dit Kabila Zongana Onanu, comment la famille de Rossi Mukendi pour considérer un acteur politique qui tient ce genre de propos? La famille de Thérèse Kapangala, les évêques de l'église catholique, l'église qu'on a citée tout à l'heure, qu'on a vilipendé en pleine paroisse, on a oublié le malheur de Kabila. Pourtant, ça ne fait même pas un demi-siècle en arrière. Merci. Ne soyons pas amnésiques. La question soyons réels, notre pays est en face de nous et je pense que nous pouvons faire sortir ces pays du bourbier. Monsieur Manix, il y a une question de l'économie, il ne faut pas fouiller cette question. Mais la question de l'économie... Kabila n'est plus, vous devez vous assumer. Non mais, nous assumons tout en établissant la vérité. La photo du président... Je ne peux pas justifier le pouvoir de Félix Tshisekedi aujourd'hui tout en plébiscitant le pouvoir de Joseph Kabila d'hier. Les gens mangent en délestage aujourd'hui, le doyen l'a dit. La situation économique que nous avons aujourd'hui, les taux à 25, je reviens. Ok. Lorsqu'on parle de l'économie, il y a plusieurs facteurs qui entrent dans la ligne de compte. Ok. Ok. Parce que l'économie dont on parle aujourd'hui, que Tshisekedi a trouvé, c'est une économie qui a été effondrée, qui a été fissurée, ça fait plus d'une décennie passée. Et ça, vous le savez très bien. Et d'ailleurs, l'un des poumons économiques, le poumon qui tenait la plus grande charge de l'économie nationale de notre pays en termes de 65%, je parle de la GECAMINE, cette GECAMINE, elle a été effondrée et vous l'avez encore davantage effondrée. Je parle de vous comme écolier de l'école Kingakati. Toujours dans ces secteurs de l'économie. On sait ce que c'est le domaine de finances publiques dans ce pays. On sait ce que c'est les gangrènes comme la corruption, la concussion, le détournement qui a élu domicile à une certaine période plus précise de notre pays. On parle de la nourriture, Congolais Bazolia en délestage. Quel a été le véritable projet agricole que vous avez mis en exergue, ne serait-ce que pour nourrir le Congolais? Je parle de vous comme écolier de Kingakati. Ils ont tenté, et je l'ai toujours salué, parce que ça a été quand même une grande marque de courage d'État, ce projet Bukangalonzo. Parce que ce projet avait pour vocation nous faire migrer du modèle de l'agriculture artisanale vers l'agriculture moderne. Mais malheureusement, ils ont échoué dans les politiques de mise en œuvre de ce projet qui avait pour finalité assurer l'autosuffisance alimentaire au bénéfice de Congolais. Pourquoi? Ils ont transformé l'État en agriculteur. Ils ont transformé l'État en un producteur agricole. Ils ont transformé l'État en un vendeur, un commerçant dans le marché économique des denrées alimentaires. Alors que dans le secteur agricole, l'agent principal qui
influe sur le secteur, c'est l'agriculteur. Alors, pour booster ces secteurs, il faudrait accompagner des véritables politiques, par exemple dans le domaine de finances, créer des banques avec des capitaux congolais et des banques capables de pouvoir donner des crédits aux agriculteurs pour que les agriculteurs achètent ne serait-ce que des tracteurs. Si vous prenez l'exemple d'un territoire où il y a par exemple 200 agriculteurs et que chaque agriculteur arrive à acheter ne serait-ce qu'un tracteur, c'est-à-dire la production locale va accroître. Deuxième impératif, toujours dans ce secteur de l'agriculture, c'est la création de routes interurbaines, de routes interprovinciales pour permettre la mobilité et la transaction commerciale de produits alimentaires quittant d'une province vers une autre, ce qui n'a pas été le cas. Et enfin, la question de l'énergie, c'est-à-dire le projet Bukangalonzo qui a été initié par le camp de la Kabylie n'a pas obtenu de résultats escomptés. Et voilà, Félix Tshisekedi arrive avec le maigre moyen de l'État. Parce que nous sommes sûrs que notre économie est en berne. Vous et moi, nous sommes sûrs que la MIBA a été détruite par vous, les écoliers de la Kabylie. Vous et moi, nous savons que la Gécamines est par terre. Et d'ailleurs, Moïse Katumbi, aujourd'hui, fait le relais de la SNCC. Au lieu de nos trains qui devraient transporter les tonnes et des tonnes de minerais, c'est les tracts de M. Moïse Katumbi qui fait le transport et c'est lui qui gagne et non la République. Cela voudrait tout simplement dire que nous devons élaborer des vraies politiques économiques qui auront pour finalité créer des impacts positifs sur le plan social. Et Tshisekedi a essayé de faire un bond de soulagement, par exemple, dans le secteur de services, le service national aujourd'hui qui produit. Vous avez vu le bilan qu'a présenté le général Kabouik par rapport à la production de maïs au travers le secteur, ou au travers, pardon, le service national qui en réalité est un service relais. Ils ont aujourd'hui produit plus de 30 000 tonnes de maïs. Merci. Dans un écart de pratiquement 2 ou 3 ans. Merci. Alors, et qui donne l'impulsion, c'est le président de la République. Je finis par cet élément. Vous savez, cinq secondes. Quand on veut parler de l'économie d'un pays, il y a 3 facteurs. Il y a la production, il y a la programmation et puis il y a la protection. Je suis bien d'accord. Moi, je ne suis pas en train de vouloir louanger l'action du président de la République. Lui-même, le président, est conscient de la situation dans laquelle qu'il traverse le peuple congolais. Mais le président avait peint un tableau en termes de vision. Une vision que vous ne connaissez pas malheureusement. Le président a parlé de 4 piliers, de 4 choses. Il a parlé de la lutte contre. Ok. Il a parlé de la bonne gouvernance tout en s'appuyant sur l'outil qui est l'IGF pour lutter contre le gabegie financière, les concussions et toutes les formes du détournement. Le président a parlé de la création d'une société solidaire avec comme valeur de base l'unité, solidarité, fraternité et concorde nationale. Le président a parlé du développement économique endogène comme valeur de base pour booster notre économie. Et enfin, le président de la République a parlé de l'homme comme le véritable chantier. Merci. Alors, il faudrait maintenant regarder les présidents de la République par rapport à son décor de gouvernance et se rendre compte qu'est-ce qu'il a réalisé et qu'est-ce qu'il n'a pas réalisé. Merci. Alors, Monsieur Patrice Katanga, je ne vais pas prendre la photo de Vital Kamerhe. Peut-être que je vous mettais très mal à l'aise. Mais non. Donnez-moi la photo. Donnez-moi la photo. Si vous avez une question à poser, vous la poserez. S'il vous plaît, donnez-moi la photo de notre ministre de l'économie, Vital Kamerhe. Parce que vous êtes dans l'opposition. Quelles sont les mesures palliatives? Parce qu'on est congolais, nous voulons aller de l'avant. Le Congo a les terres arables. Est-ce qu'il faut se plaindre ou il faut aller devant pour trouver des solutions? La gouvernance agricole est ensemble. Malheureusement, si vous voulez une émission dans les détails, il faudrait nous appeler avec du temps pour faire ce détail. Okay. Moi, je pose une problématique et je constate qu'on ne me rencontre pas dans la problématique. Okay. Je dis ici, les Congolais mangent par délestage. On ne m'a pas prouvé qu'ils mangent 3 fois par jour. On est rentré vers Kabila. Mais ce qui m'étonne, dans cette histoire de Kadiocha, c'est chaque fois qu'on vous dit qu'on compare avec la période de Kabila, ou les étudiants de Kinkankati. Je n'ai jamais été à Kinkankati. Tous les Congolais vous regardent. Anti-Kinkankati, plus que moi, vous mourrez. C'est bon. Je n'ai jamais été à Kinkankati et je n'y serai jamais. Peut-être parce que vous êtes la réalité vous rattrape aujourd'hui. C'est que les Congolais dans la rue sont en train de comparer leur situation sociale d'aujourd'hui par rapport à Kabila d'il y a 5 ans. Bien sûr. Bien sûr. Ils
sont plus... vous pouvez rigoler, mais les Congolais sont en train de vous regarder. Okay, mais okay. Moi, je suis sérieux. Mm. Vous pouvez rigoler. Je vous montre, si continue. Vous pensez que les Congolais d'aujourd'hui sont en train de vous applaudir parce que leur situation sociale a été améliorée, libre à vous. Mais moi, je vous dis que aujourd'hui, les Congolais tirent les diables par la queue. Les dollars est à plus de 25. Parlez-moi de l'emploi. Combien d'emplois créés depuis 5 ans? Nous sommes à la fin mandat. Parlez-moi l'augmentation des salaires. Comment il a été opéré dans notre société, notamment dans les entreprises publiques. Parlez-nous. Mais le ministre Eliawa a parlé de l'augmentation. Parlez-nous. Vous savez, au Congo, nous sommes forts dans les discours. Laissez-moi développer. Nous sommes forts dans les discours. Mais dans la pratique, moi, les Congolais, moi, je les vis tous les jours. Okay. Je vis avec les Congolais, je vis dans la cité. Donc si je dis quelque chose qui n'est pas correct, quand je vais rentrer demain matin, ou bien c'est sur Avier Mamboloa, tu comprends. Donc, je connais l'arrière-pays. J'ai fait le nord, le sud, l'est et l'ouest. Je connais la souffrance à l'arrière-pays, n'en parlons même pas. Si à Kinshasa, vous avez un dollar à plus de 25, donc là-bas c'est une catastrophe. Parce qu'avec l'exode rural, tout ce qu'ils produisent là-bas, on a beau parler des routes de dessert agricoles, depuis 5 ans, rien n'est fait. Vous allez chercher le maïs en Afrique du Sud, vous allez chercher le maïs en Zambie, et après, c'est pour venir nous dire qu'il y a une main noire. Arrêtez la phobie de voir une main noire partout. Arrêtez la phobie. Dès que ça ne marche pas, c'est une main noire. Dès que ça ne marche pas, c'est la phobie, c'est Katumbi. Et mais je pense que bientôt, en pleine saison sèche, s'il pleut en pleine saison sèche, ça sera la main noire de Katumbi. Je prends le pari. S'il pleut là, Kinshasa, nous sommes en plein, ça sera la main noire de Katumbi. Non, justifiez votre bilan. Nous en sommes aujourd'hui à la fin du mandat du président de la République sortant. Ce que nous devons discuter, c'est bilan contre bilan. Vous avez parlé de Katumbi en parlant de l'histoire des dragues. Mmh. Katumbi a eu bilan pendant 8 ans. Okay. Il a construit le pont loi là-bas. Mmh. Entre Lubumbashi et Kolwezi. Katumbi, on a dit de lui par l'ancien secrétaire général du PPRD qui était Vital Kamerhe, okay, qu'il fallait aller là-bas apprendre la leçon de la bonne gouvernance chez le gouverneur. C'est Katumbi qui a instauré le premier, quand il était gouverneur, le salaire minimum. Okay. Et on a essayé de copier ça par le gouvernement Matata, le gouvernement Mousito. Le salaire minimum a commencé au Katanga. Au Katanga, quand Katumbi a été là-bas, il n'y avait pas de salaire de moins de 100 dollars. Il n'y en avait pas. Et aujourd'hui, au Katanga, avec l'impulsion du secteur minier, les salaires sont aujourd'hui aux alentours, les salaires moyens, sont aux alentours de 300 dollars. Donc vous comprenez, le temps est venu pour nous de discuter et de parler devant les Congolais, d'avoir un débat sain, un débat bilan contre bilan, un débat projet contre projet, mais non dans l'invectif. Étudiant de Kingangrat, ça ferait aux Congolais quoi? Si vous criez que je suis l'étudiant de Kingangrati, qu'est-ce que ça fait aux Congolais? Parce que les Congolais me connaissent. Ils savent que je n'ai jamais été à Kingangrati. Il suffit de poser un problème. Vous comparez toujours avec Abila, c'était comme ça. Nous, moi j'ai fait longtemps. Vous, on n'y était pas. Peut-être que vous êtes trop jeune. J'ai fait longtemps avec Étienne Tshisekedi. Je suis Maïma et j'ai pris les armes pour défendre mon pays là. Et donc aujourd'hui, nous avions une vision. Nous avions une vision pour notre pays. C'est que nous sommes un pays nanti. C'est que nous pouvons mettre nos richesses à la disposition de la population congolaise. Nous avons les défis de demain. Ailleurs, on parle de l'intelligence artificielle. Chez nous ici, allez regarder, je parle même de Kinshasa, allez regarder ce qui se passe dans les universités comme l'université de Lupin, deuxième université de Kinshasa, allez regarder. Alors qu'on parle de l'intelligence, alors qu'on a en Côte d'Ivoire, on est en train d'ériger un métro. Nous sommes en Afrique. On est en train d'ériger un métro à Abidjan. Alors que à Dakar, au Sénégal, on a construit un RER, hein, réseau extra rapide qui va de Dakar à Thiès. Nous ici, non, c'est le détournement de fonds. Et on détourne des millions. Et la justice n'opère pas. Le président de la République le dit lui-même. Il a dit la dernière fois, quand il était parti à l'Est, pour dire que le fruit du détournement n'est pas rendu. Les Congolais tirent les diables par la queue parce qu'on a tout bouffé par la corruption. Le président, il ne voit rien. Le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est à Paris et on lui pose la question du budget. Il dit, en politique, c'est la volonté qui compte. Vous pouvez avoir le budget
avoir les moyens que vous et si vous n'avez pas la volonté politique, vous ne ferez rien. Regardez le pays comme le Congo. Il a donné un exemple, le pays comme la RDC. Ce pays-là, on peut leur donner les budgets équivalents au budget de la France. C'est Alassane Ouattara, Ado, qui le dit. On peut donner à ce pays-là un budget équivalent au budget de la France. Ils vont tout détourner. Nous n'avons pas honte, nous les Congolais. Nous n'avons pas honte. Donc c'est le président ivoirien qui a dit ça. Il l'a dit à Paris. Il y a 2 semaines, il y avait une réunion à Paris sur les finances. Donc, moi j'ai honte quand j'entends ça. Et moi, le voleur, je vais le voir en prison. Katumbi en pour mon pays, pour... Oh, putain, mais Katumbi déjà... Est-ce Katumbi est un voleur? Ceux qui sont au pouvoir, j'ai pas de... Soyez honnête. Non, les Congolais, vous regardez. Quand on parle de millions détournés... Vous voulez Katumbi quand on parle de millions détournés... Non, mais attendez. Vous moquez de Congolais. Vous pensez que les Congolais ne regardent pas tous les jours quand on parle, on a détourné autant de millions. On a détourné autant de millions. Ils vont me rencontrer dans la problématique posée. Ça veut dire, dites-moi, combien d'emplois créés? Dites-moi... Le salaire a augmenté à quel rythme? Dites-moi, l'investissement est à quel niveau? Dites-moi, pourquoi le dollar est à 25 et pourquoi nous ne produisons rien? On peut toujours... La litanie, elle est vieille, hein, depuis Mobutu. Nous ne produisons rien. Oui, d'accord, nous ne produisons rien. Mais nous avons lutté pour produire. Mais l'opposition, c'était pour... Nous avons lutté quand nous étions dans l'opposition. C'était pour prendre le pouvoir et produire. Mais je vais poser une question ici. Quelle est la proposition palliative? Vous êtes aussi une opposition. Le rôle de l'opposition aussi, c'est de proposer. Mais vous condamnez, mais vous ne proposez bonne pas. Question. Oui. Les solutions sont multiformes. Hein. Il n'y a pas une solution et une solution magique. Il n'y en a pas. Je vais prendre, par exemple, dans le domaine de la corruption. Ok. Parce que ce domaine-là, il faut faire mal à ceux qui détruisent notre pays. Ben, on commence d'abord par établir au niveau de nos lois, au niveau du code pénal, une perpétuité réelle. Je dis bien perpétuité réelle. Ça veut dire ? Ça veut dire que quand les gens vont en prison, ils y vont définitivement. Il n'y a pas d'aménagement de peine. OK ? OK. Et catégoriser un certain nombre d'infractions qualifiées de crimes. Notamment les détournements de biens publics. Réhabilité de prison. Il y en a 3. Dans mon idée, ici, il y en a 3. Okay. Il y a Ekafela, il y a Boulouo, il y a un troisième là qui m'échappe. Parce que les corrupteurs, parce que les détourneurs de fonds, il ne faut pas les laisser à Makala. Okay. Quand vous les laissez à Makala, ils ont leur famille qui vient le voir. À Makala, ils ont les femmes qui rentrent. À Makala, ils peuvent, avec le système de la corruption, sortir les soirs, aller boire et rentrer en prison. Non, l'État doit punir ceux qui ont vocation à détruire la nation. Ça veut dire une prison où ils ne pourront pas venir à Kinshasa. Les envoyer à Boulouro. Merci. Les envoyer à réhabiliter la prison d'Angenga. Réhabiliter la prison de Kafera. Et lorsqu'ils vont être reconnus coupables et définitivement condamnés pour corruption, les envoyer définitivement en prison avec une peine à perpétuité. Merci. Voilà, ça sera dissuasif. Merci. Si vous voulez dissuader les Congolais, il faut des peines dissuasives. Merci pour ces propositions. Sinon, les Congolais vont continuer à cette corruption qui va détruire notre pays. Merci, M. Paty Katanga, pour ces propositions angéliques, mais des propositions qui ne violent pas les droits humains. Alors, M. Manix Yenda, nous devons évoluer, mais s'il y a des arriérés, vous pouvez les payer. Donnez-moi quand même la photo de M. Kadima, qui est le président de la CENI, parlons-en, parce qu'il y a aussi le problème d'élection qui se pose, M. Manix. Il y a ceux qui pensent qu'il est temps qu'on aille au dialogue parce que le régime est au bout de son souffle. Alors, il faut que la classe politique puisse se mettre d'accord sur les préalables. J'ai suivi Mouzitou qui a dit on ne peut pas aller aux élections si Kouamountou ne participe pas, si d'autres provinces, là où il y a le problème de l'insécurité, ne participent pas. Est-ce qu'il faut aller à un dialogue, se mettre d'accord pour qu'on ait les élections apaisées, éviter les sons? Ben, je préfère revenir sur quelques éléments que j'ai entendus. Vous avez 5 minutes. Sur le point économique. Et puis je reviendrai après répondre à cette question relative aux élections. J'apprécie beaucoup mon doyen. Je l'apprécie beaucoup. Okay. J'apprécie beaucoup la qualité de ses idées. J'apprécie à juste titre même la dernière proposition qu'il vient de faire tout à l'heure. Mais la petite question que je me pose, est-ce que la vision qu'il a, c'est la vision à lui ou celle de Moïse Katumbi? Il est président d'un parti politique. Deuxième question, est-ce que les choses qu'il dit
ce qu'il dit là. Est-ce que Katumbi est à même de le comprendre? Katumbi, comme locomotive de votre formation politique, comme paradigme politique que vous voulez utiliser comme référentiel, est-ce qu'il comprend ce que vous vous dites là? Mais Katumbi, c'est un homme intelligent quand même. C'est que le mot même intelligence n'a pas son sens d'être. Permettez-moi d'évoluer. Il a parlé de... Il n'a pas un tableau totalement négatif sur le plan social. Mais est-ce qu'il peut être quand même sincère de dire aux Congolais que oui, les salaires des enseignants sous Joseph Kabila n'est pas égal au salaire des enseignants sous Félix Tshisekedi? Il y a quand même une petite augmentation, mais ce Tshisekedi, vous pouvez faire plus. Mettez la photo du chef. Est-ce qu'il peut quand même dire aux Congolais que sous Joseph Kabila, la charge financière en ce qui concerne la scolarité de nos enfants pesait sur le dos des parents, et aujourd'hui, le gouvernement a repris sa responsabilité étatique. Okay. Et je ne sais pas s'il mesure en termes de coûts l'enveloppe financière que l'État débourse chaque année pour assurer effectivement la gratuité de la scolarité de base. Est-ce qu'il peut dire aux Congolais que les salaires de nos soldats, Bamampinga Nabiso, bas policiers, sous Joseph Kabila, n'est pas le même sous Félix Tshisekedi? C'est ça aussi l'honnêteté. Est-ce que vous pouvez dire aux Congolais le budget qu'a laissé Joseph Kabila n'est pas égal au budget proposé par Félix Tshisekedi? Le dire est un degré de sincérité et d'honnêteté politique. Est-ce qu'il peut dire aux Congolais que sous Joseph Kabila, les étudiants congolais n'avaient droit à aucune, j'ai bien dit aucune mobilité assurée? Aujourd'hui, il y a quand même le moyen des transports. Ça peut être insignifiant, mais c'est quelque chose qui est quand même fait. Est-ce que vous pouvez quand même être honnête de le dire? Les étudiants qui se déplacent à bord de Transacadémia, est-ce qu'ils se souviennent un peu de ce qu'a été l'étudiant sous Joseph Kabila? Vous parlez de la jeunesse d'aujourd'hui, moi je suis jeune. Et je pense, si vous, vous avez étudié à l'université de Kinshasa, l'université de Kinshasa que vous, vous avez étudié, la plus grande université de l'Afrique centrale, vous savez l'état dans lequel cette université était? Moi, j'ai habité le home. Au home, il n'y avait même pas de toilettes, monsieur. Il n'y avait même pas de lit dans la chambre de home. Il n'y avait rien. Il a fallu qu'un monsieur Tshisekedi, président de la République, arrive à visiter les étudiants, encore que Joseph Kabila n'a jamais rendu une visite aux étudiants à l'université. Jamais. Jamais. Et si il y a des photos, des images, on peut me les balancer. Jamais. Parce qu'il va dire quoi aux étudiants, de toutes les façons. Okay. Félix Tshisekedi, regardez aujourd'hui l'état de l'université de Kinshasa. Le home de l'université de Kinshasa, aujourd'hui. Vous avez même parlé de l'UPEN. Vous avez parlé de l'UPEN. Vous avez vu le gros bâtiment qu'on construit en annexe à l'UPEN. Vous avez vu les travaux qui ont été déjà lancés pour la réfection de home des étudiants de l'UPEN. Non mais justement, il y a un bâtiment qui est construit là-bas. Et on est en train de construire. Moi, soyez sincères et soyez honnêtes. Ouais. Est-ce que l'UPEN d'aujourd'hui égale à l'UPEN d'hier? Monsieur le doyen. Non, ils sont... Monsieur le doyen, soyons quand même sincères. Est-ce que l'hôpital Mamayemo d'aujourd'hui est égal à l'hôpital de Mamayemo d'hier sous Joseph Kabila? Soyons quand même honnêtes. Est-ce que la prison de Makala d'aujourd'hui, avec des pavillons réfectionnés, est égale à la prison de Makala il y a 5 ans en arrière? Mais vous, vous prenez les Congolais comme des dupes. Vous prenez les Congolais comme des moutons de panurge. Parce que vous êtes dans l'opposition, vous pensez que le discours le plus facile, c'est celui de critiquer. Monsieur, la question soyons quand même sincères. Le problème, c'est que nous avons des sérieux problèmes dans chaque secteur de la vie nationale. Et aujourd'hui, ce n'est pas à M. Tshisekedi qui va transformer le pays. Tshisekedi va baliser le chemin. C'est lui qui viendra après Tshisekedi, va faire la suite.
C'est lui qui viendra encore après, va faire la suite parce que le problème du Congo sont grands. Élections, et aujourd'hui, Tshisekedi fait quand même quelque chose. Merci, monsieur Manix. Élections, parlons-en. Je ne vous parle pas de la gratuité des enseignements primaires qui crée autant d'effets. Parce que vous avez parlé de la réputation internationale. Vous savez comment on a qualifié la République démocratique du Congo? Le pays le plus analphabète du monde. Parce qu'il n'y avait pas accès au circuit de scolarité de base. Il a fallu qu'il y ait un programme. Il a fallu qu'il y ait une volonté politique manifeste pour que la gratuité soit une réalité vécue. Et aujourd'hui, la gratuité diminue sensiblement les taux des analphabètes en République démocratique du Congo. Merci. Il vous reste une minute. Ça, vous n'en parlez pas. Parlons des élections, M. Manix. Non, mais on va parler des élections. Parlons-en. Mais avec qui ? Kadima, un pion du régime, alors les élections pataugent encore. Est-ce qu'on aura les élections ? Moussito a dit des choses, hein. Failou, Katumbi, Matata, Denis Essanga et tous. Non, mais mon frère, vous savez, on a une très mauvaise habitude. À chaque fois qu'on parle de la politique dans notre pays, on cite les noms des gens. Les leaders de l'opposition. Non, mais leader par rapport à quoi ? Failou, Mouzitu, Sesanga, Matata. Un exercice, s'il vous plaît. Okay, okay. Vous prenez le nom de Katumbi. Vous prenez son visage. Mais non. Essayons d'enlever juste le nom de Katumbi et le visage de Katumbi. Cherchons une idée qui se cache derrière. Quelle est l'idée de gouvernance qui se cache derrière le nom de Katumbi, derrière le visage de Katumbi? Y'a pas? Non, mais quelle est cette idée? Où on peut dire, ok, lorsqu'on parle de telle idée, on voit Katumbi. Alors. Un peu comme on parle de plan Marshall, on voit directement Noël Tiani. Ok. Quand on voit Fayoulou, enlever le visage, enlever le nom, derrière, chercher une idée qui s'identifie à Martin Fayoulou comme grand leader, comme vous le présentez. Matata. Faites le même exercice. Denis Essanga. Faites les mêmes exercices. C'est pour vous dire quoi? Okay. En réalité, on prend le Congolais comme des bêtes. Nous voulons les élections, et les élections est une obligation à respecter par le pouvoir en place. Monsieur Denis Kadima l'a assuré, Félix Tshisekedi comme président de la République, chef de l'État, l'a confirmé, le gouvernement qui reprend sa responsabilité en termes de décaissement de fonds pour la tenue des élections, le gouvernement l'a rassuré, quitte au parti politique, de se préparer en conséquence pour participer aux élections, pas à un coup d'État. Il n'y aura pas un prochain président de la République par le moyen d'un coup d'État. Merci, monsieur. Parce que les élections, c'est le meilleur rendez-vous à travers lequel on peut échanger avec le peuple. Merci. S'il vous plaît, de faire 10 secondes. Je vais vous donner le mot de la fin. Je finis par là, s'il vous plaît, 10 secondes. Vous savez qu'il y a plusieurs partis politiques qui sont créés aujourd'hui, juste pour des raisons de contestation. Et ce sont ces partis que moi, je considère comme des toiles d'araignée dans une maison. Parce que ces partis, je ne pense pas que c'est le cas pour les Maï Maï, je ne pense pas que c'est le cas pour Ensemble. C'est des partis dont j'ai un peu d'estime par rapport à leur lutte et à leur combat pour la République. Mais il y a des partis qui ont pour finalité brouiller, perturber le processus électoral. De gens qui se réveillent, ils disent non à tout. Ils disent non à la composition de la Cour constitutionnelle. Pourtant, non, mais ils disent non à la composition de la Cour constitutionnelle. Pourtant, on sait les modalités des désignations de membres de cette Cour telles que consacrées dans la Constitution de notre pays. Merci. Ils disent non à Kadima alors que ce n'est pas les partis politiques qui ont choisi Kadima. Mais ils veulent quoi? Je veux demander un débat contradictoire avec M. Aristote Ngarine, qui est le porte-parole de Joseph Kabila et du PPRD. Vous allez accepter ce débat? Quand c'est l'année tienne, il n'y a pas de problème. Merci. Débat M. Aristote Ngarine, l'invitation est lancée, un débat avec M. Manix Yenda. Alors, le doyen Patti Katanga, vous irez aux élections ou vous vous préparez un coup d'État? C'est parti auquel vous faites. Le parti créé, qui foisonne. Ah, le toile d'araignée. 80% se proclame partie de l'Union Sacrée. Vous n'avez pas suivi? 80% se proclame partie de l'Union Sacrée. Ils sont dedans. Et je suis d'accord. Il y a plus de 900 Je suis d'accord, c'est inacceptable. Qu'un pays comme le nôtre, qui a les défis du développement, que nous puissions avoir. Aujourd'hui, ils sont à 910. Les derniers. La dernière publication du ministère de l'Intérieur. 910 partis. C'est inacceptable. Aucune entreprise créée.
910 partis politiques, aucune entreprise créée. Là où les bas blessent, c'est que 90% de ce parti se proclame parti de l'Union sacrée. Comme ça. Donc on peut comme ça dire que c'est le pouvoir qui a créé ce parti. C'est le pouvoir qui a créé. Et je le condamne autant. Si cela a commencé avec Joseph Kabila, que vous ne cessez de... Hein? Mais j'ai dit que nous devons avoir un débat sain. Si on va avoir un débat sain, c'est aussi respecter les acteurs politiques. Okay. Il y a aussi des choses que je peux dire à l'égard du président sortant. Je ne le ferai pas, parce que ce n'est pas ça. Ça n'oublie pas mon pays. Ça n'honore pas mon pays. Parce que les autres aussi nous regardent. Ne dites pas des choses du style, est-ce que Katumbi comprend? Katumbi a été 8 ans gouverneur du Katanga, le Grand Katanga, j'ai dit. Il a été 8 ans gouverneur du Grand Katanga. Katumbi a eu un bilan tel que, on dit de lui, le meilleur gouvernement du Katanga depuis l'indépendance. Katumbi a un bilan. Vous voulez accréditer l'idée auprès des Congolais que Katumbi ne comprend rien. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Pour vous, ceux qui... Joseph Kabila, non, il ne comprend rien. Et Katumbi, il ne comprend rien. Fayoulou, il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Non, c'est bon, pas ça. Mais il a posé des questions très questionnantes. Vous pouvez l'aider alors. Si on enlève le visage de Katumbi. Ne coupez pas. Alors, si moi je développe quelque chose, je connais cette manie-là. Non, non. Laissez-moi développer parce que je suis en train de contredire ce qu'il a dit. Okay. Ne faites pas un duo. On sait de quel bord vous êtes. Non, je on sait de quel bord je vous êtes. Je suis au milieu. Mais lorsque vous regardez religieusement, vous lui regardez religieusement parler, laissez-moi lorsque j'apporte un contre-argument. Je vous ajoute les minutes. Continuez, calmement. Je vous ajoute les minutes. Donc je vous dis que nous devons apprendre à respecter non seulement les hommes, mais aussi à respecter notre démocratie, parce que les autres nous regardent. J'en veux bien. Ah, moi, je ne suis pas de l'école où on viendrait ici insulter. Le président de la République n'a pas été, on a vérifié telle université, il n'a pas été. Non, ça apporte quoi au Congo? Le Congo a besoin de solutions pour son développement. Le Congo n'a pas besoin qui a le plus grand diplôme. Non, le Congo a besoin... qui a les meilleures idées pour sortir notre pays du gouffre dans lequel il se trouve? Bonne question. Donc, bonne question. Respectons-nous. Katumbi ne comprend. Je vous donne un conseil gratuit. Parce que l'histoire est un éternel recommencement. Demain, on ne sait pas. Vous pourriez vous retrouver dans le même camp. Je connais la politique congolaise. C'est par expérience que je l'ai dit. C'est pour ça que j'ai appris à respecter les hommes. À ne parler que des idées. Non, mais on parle Fayoulou, de... Quelle est l'idée de Katumbi? Fayoulou, c'est un grand homme. Quelle est l'idée de Fayoulou? Non, mais attendez. C'est simple que ça. Je peux vous poser la même question. Oui. Nous sommes dans un bilan chaotique. Quelle est l'idée de Félix Antoine Tshisekedi? Répondez donc, à la question. Mais quelle est l'idée de Félix Antoine Tshisekedi? Il a un bilan chaotique. Et donc, vous comprenez, si on pose... Non, on n'a pas le temps pour développer les idées de chacun. Le temps viendra où on aura le temps de développer les idées. Je suis d'accord. Les Congolais doivent savoir quelle est l'offre qu'on... Bien sûr. Hein, mais le temps viendrait pour cela. Mais le pour temps, les hommes, là. Il faut du respect. Il ne faut pas dire... Derrière lui, il y a quoi? Lui, est-ce qu'il comprend? Bon, vous prenez. Ce n'est pas votre problème. Ce n'est pas mon problème. Merci. Mais je dis tout simplement que quelqu'un comme Fayoulou, quelqu'un comme Katumbi, même Matata, c'est des gens qui méritent quand même respect. Merci. Vous irez aux élections? Parce que nous sommes des démocrates. Vous irez aux élections? Il a ouvert un certain nombre de contacts avec l'opposition. Monsieur... Manix. Kadima. Okay, je vois. Il a ouvert un certain nombre de rencontres avec les acteurs de l'opposition. Évidemment, l'opposition a amené un certain nombre d'exigences pour aller aux élections démocratiques, crédibles et apaisées. Nous en sommes au quatrième cycle. Il n'est pas normal qu'au quatrième cycle, nous ayons eu au Congo un premier cycle électoral chaotique, un deuxième cycle électoral chaotique, un troisième cycle électoral chaotique, et que nous acceptions d'aller à un quatrième cycle électoral chaotique. Ce n'est pas bon pour notre pays. Merci. Si Kadima satisfait aux exigences de l'opposition, il a notre cahier des charges. Les élections sont des exigences constitutionnelles. Merci. Monsieur Patrick Katanga, je donne le mot de la fin à Monsieur Manix. Mais j'ai suivi Kadima. Il a commencé et il a le mot de la fin. Parce que je vais terminer. Vous avez une manie, menez vos débats, tout le monde vous regarde. J'ai suivi Monsieur Kadima qui a dit ne s'attaquez pas à ma tribu, mais plutôt jugez-moi par rapport à mes compétences. Alors, comme M. Manix a dit, quelle est l'idée qui est derrière Katumbi Fayoulou, j'aimerais que vous puissiez également mettre ces idées en place pour l'intérêt des Congolais. Je ne sais pas si c'était l'attaque personnelle, mais c'était juste une question très questionnante. Alors, 30 secondes, on conclut avec vous. J'ai un très profond respect à l'égard de M. Katumbi. J'ai un très profond respect
à l'égard de M. Martin Fayulu, que je côtoie personnellement. Il sait ce qu'on dit lorsqu'on se rencontre entre lui en tant que vieux et moi en tant que jeune. Je sais ce que c'est M. Matata parce que je l'ai fréquenté et je l'ai bien fréquenté. Je connais tous ces gens-là. Le problème, c'est que nous devons sauver notre patrie avec des très, très bonnes idées et surtout avec des acteurs politiques responsables. Moi, je conseillerais à Katumbi. Il peut être honoré, plébiscité, reconnu comme une grande figure de la société congolaise, mais tout en étant un homme d'affaires, tout en étant commerçant. Bill Gates n'est pas un acteur politique. Bill Gates n'est pas candidat président de la République. Katumbi peut être honoré tout en faisant ce qu'il fait. Le docteur Mukwege, il a le prix Nobel de la paix sans pour autant être politique. La phobie de Katumbi. Mais qui vont faire la politique et qui ne doivent pas faire la politique. Merci. La phobie de Katumbi. Merci. Transmettez mon conseil à M. Katumbi, il sera utile pour beaucoup de Congolais. Merci M. Manix Yenda. J'ai relayé encore ce conseil à M. Katumbi. Manix a dit, vous pouvez être un grand homme. Ça, c'est la phobie de Katumbi. En faisant, vous avez la phobie. En faisant le prochain président, c'est commerce, Katumbi. Vous avez la phobie. Au lieu d'être politique. Il n'a pas besoin de vos conseils. C'est un conseil. C'est un compétiteur. On accepte. Alors, un compétiteur, arrêtez. Merci. Merci. Ça ne finit pas. Bonjour, j'étais avec Monsieur Patti Katanga. Il est maïmaï. Il est également proche de Moïse Katumbi. Il a refusé le conseil de Manix. Alors, de l'autre côté, j'étais avec Monsieur Manix Yenda, député de la rue. Vous défendez la République. Merci. Mais j'attends ce débat avec Monsieur Aristote Ngarimé parce que vous avez dit paix à l'âme politique de Joseph Kabila Kabange. Est-ce que Joseph Kabila est mort politiquement? Suivez la rediffusion à 22h ici. Vous avez choisi le bon côté de l'histoire, c'est SS Télévision. Nous sommes là pour vous.